C'est le jet lag. Vous êtes arrivé quand? Au Marseille? Je suis arrivé il y a très longtemps. Il y a presque 2 ou 3 semaines. Ah oui? Ouais. Ah, ouais, et ouais. Ça vous manque quand même quand vous... Ça fait combien de temps que vous vivez à Los Angeles? Ça fait 4 ans. 4 ans, mais ça vous manque jamais la France, de suis... vivre ici? Mais je reviens assez souvent quand même. Donc je ne laisse pas le manque s'installer. Dès que j'ai un petit moment de nostalgie, pardon de citer une autre radio, hein. Eh bien, je reviens en France. Léa, vous avez peur dans l'avion au Marseille? Parce que vous devez prendre l'avion quand même, là, du coup. Oui, je prends l'avion régulièrement. Je n'ai pas peur dans l'avion. Je vais vous dire, j'adore l'avion. Ouais. Parce que c'est vraiment un moment dans ma vie où je fais vraiment rien. Où vraiment, voilà, on est obligé de rien faire. On s'ennuie dans l'avion. Mais moi, je ne m'ennuie pas, j'ai peur de mourir, en fait. Alors, j'ai une technique super. C'est-à-dire, tous les trucs relous qui foutent le cafard, par exemple peur de mourir, est-ce que je vais avoir un accident? Eh ben faut pas y penser. Faut pas y penser à ces trucs-là. De toute façon, je vais te dire un truc, dans l'avion, quand tu vas mourir, ben tu le sais pas. Hein. tu meurs, c'est tout. Hein. Tu seras pas prévenu, hein, t'inquiète pas. Donc, tranquille.